Nous sommes go pour la mise à feu. H-1. 2021 par une Ariane 5 depuis la base de Kourou en Guyane. Ce lancement exceptionnel fera l'objet d'énormément d'attention. Sa conception débuta en 1989. L'atout principal de ce tout nouveau télescope seront ses miroirs primaires et son bouclier thermique déployable. Au cours du voyage, le déploiement du miroir primaire de 6,60 m est une opération délicate et inédite. Son immense écran solaire composé de 5 couches et de la taille d'un terrain de tennis permet un refroidissement du télescope à environ 50 Kelvin. Une nouvelle technologie qui a vu son coût initial estimé à 3 milliards de dollars passer à 10 milliards de dollars. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le James Webb compte déjà plusieurs années de retard pour sa mise en service, puisqu'à la base, James Webb devait décoller en 2013. Car si on le compare souvent à Hubble, toujours en service, il en est bien différent. Webb. Eh bien, salut à tous et bienvenue du coup dans ce nouveau direct consacré à James Webb. Comment ça va, ma petite brune surprise? Ah bah écoute, ça va plutôt pas mal, hein. Je savais pas que j'étais devenu brune, mais merci beaucoup Glowchart, hein, ça fait plaisir. Non voilà, on est avec Hikam aujourd'hui pour cet événement quand même qui est assez important, hein, c'est le déploiement du miroir primaire. Bon bien entendu, ça sera des images de synthèse. Je vous ai passé un petit coup la petite intro de la vidéo qu'on avait fait pour James Webb pour l'occasion. Et puis on a Hikam avec nous, du coup, bah, tiens, ouais. Il y a déjà du succès, hein, Lewis. Arrêtez, je vais rougir. Non, ouais, coucou tout le monde. Ah, il y en a, ils ont dit Chief. Ah, bah vous êtes un peu loin quand même là pour le coup. Pas brune, en tout cas, j'espère que. Non, elle est blonde. C'est une fausse blonde. Oui, bah après ça, je sais pas, mais. elle est blonde. Hop, le mais non, mais. T'as vu ça? Oh là là, mais quel professionnalisme ce Marco Didranc. Oh là là. Troyen de l'année. Troyen de l'année. L'année prochaine, on se présente. Non, hein. Le Troyen de l'année, non, tiens, on en rigole, mais le Troyen de l'année, on le félicite quand même, ça a été Léo Techmaker, bon, qui habite à côté de chez nous. Hein. Donc, bah, bien joué hein, si tu tombes sur le live. Bah, en vrai, c'est bien parce qu'au moins, ça permet à ce que les vidéastes soient plus reconnus. Quoi. Donc, c'est cool, en fait, c'est toujours ça. Comment vous allez? Bah, tiens, je vais répondre à la vidéo de Lewis. Comment je fais? Bah, j'ai pas de secret, je te dis juste qu'on va mourir jeune, c'est tout. Non, ça va. Non, bah tiens, je me suis couché à 7h du matin, puis là, on est là. On était en direct avec les Québécois jusqu'à 5h. Avoir du courage, hein, je vous le dis. C'est Kirel Raymond qui a remporté le championnat du Japon. Ah, c'est pas la banane? Non. Il a fini combien la banane? Il n'était pas là. Ah. Merde. Ok. Voilà, c'est tout. Il n'était pas là. Non, mais voilà. Et puis ben, derrière moi, là, vous avez... je vous avais envoyé le lien. Donc, c'est le suivi en temps réel du James Webb. Je l'ai mis un petit peu pour animer. Mais vous pouvez le retrouver n'importe quand. Hein. C'est accessible à tous. Et puis bah, écoute, voilà, Hikam, bah, tiens, Hikam, pour dire, je l'ai prévenu au dernier moment, tiens, je me réveille, je vois qu'il est t'es dispo, hop, direct. Ouais, pour dire, je suis en train de faire du montage en même temps, c'est incroyable, hein.
C'est pas mal, hein. J'ai regardé ton live en silence. On est deux, bah, je me suis endormi devant, mais pareil, je le regardais, j'étais dessus, mais bah, j'ai pas commenté. Alors, j'ai une chose à vous dire, j'ai pas encore mis le lien parce que j'attends vraiment le, comment dire, la validation de ma secrétaire pour la vidéo de demain, mais vous inquiétez pas, la vidéo elle sera là demain. J'aurais bien voulu vous donner le lien maintenant, hein, vous savez, le... En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai envoyé du coup... à Philippe Claire, donc au CNES, je l'ai envoyé au proviseur du collège, je l'ai envoyé également à l'artiste, parce qu'il y aura un artiste dedans, un artiste contemporain, un peintre, et ça plaît à tout le monde, donc j'espère qu'à vous ça vous plaira, j'attends juste la validation, vous savez, pour les fautes d'orthographe, les choses comme ça, vraiment les... Oui, la vidéo est géniale. Vraiment pour pinailler un petit peu. Ah, tu l'as regardé toi, Ikem? Bah, en fait, j'ai l'accès à ta chaîne, donc oui. Bien sûr, je suis allé dans la répertoriée, je l'ai regardé, quoi. Mais non, bah, elle est géniale, franchement, elle est bien rythmée, hein. Et j'avoue que le petit truc que tu avais parlé là, le petit bruit rajouté, ah, j'avoue que ça fait un petit effet, hein. De la porte. Petit truc, tu vois. Oui, parce que dans la vidéo j'ai même fait du bruitage comme au cinéma, pour vous dire. J'ai même été jusqu'à point où il y a un moment où j'ouvre une porte, je sais pas pourquoi j'ai choisi ce moment-là, et j'ai même rajouté le bruitage, un faux bruitage de porte. Vous regarderez si. Ouais. Pour la petite. Mais ça rend bien en plus, hein. Ouais. Au début je croyais que c'était vraiment toi, puis après j'ai tilté que du coup non, parce que tu me l'avais dit, mais. Si tu le sais pas, honnêtement, tu le sais pas. Genre, c'est. C'est vraiment bien foutu. Non, le montage est bien fait, la rythmique est bien foutue. En plus, c'est bien les transitions et tout. Bah, c'est tout le temps bien expliqué. Quand il y a une transition, tu expliques à chaque fois qu'est-ce que c'est. Ceux qui sont dans le Discord, je leur enverrai les screenshots des différents montages parce que c'était un truc de fou, quoi. Si je superposais tous les petits montages, oh là. Faudrait que je le fasse un coup. Tu sais, qu'on prenne des screens ce que c'est, et qu'on superpose tout. Oula. J'ai regardé ton live en silence, ouais. Salut Saint-Julien. Le raton, comment ça va? Marie, bah voilà, tiens Marie, on en a parlé hier, ça y est, ton t-shirt est commandé, tu le recevras d'ici 15 jours. Alors j'ai eu un petit mémo, il se peut que la livraison ait peut-être du retard dû au Covid. Voilà, bon, je pense que tu peux comprendre. Mais alors par contre, j'avais pas ton email, j'avais pas ton téléphone, donc c'est l'email de l'association, c'est mon téléphone qu'il y a dessus. Mais en tout cas, c'est ton adresse. Hein. J'ai vérifié sur... J'ai vu où t'habitais, Marie. J'ai vérifié sur Google Maps avant de faire ça. T'as vu le collier qu'elle a, la dame, au Faticam? On parle des pins, ouais. Ils ont même les colliers. Il y a beaucoup de produits dérivés. Bah, en même temps, c'était le truc de l'année, quoi, donc... Et donc voilà, comme c'est, vous avez vu dans le titre, alors je ne l'ai pas fait il y a deux jours, je ne sais pas pourquoi, c'était le déploiement du miroir secondaire, je ne sais pas, j'ai zappé. Bon. On fera peut-être une rediff, Ikem, tu sais quoi, quand tout sera fini, dans 15 jours, quand ça sera le déploiement total, enfin on va dire quand James Webb sera arrivé dans la grange L2, hein, vous avez du coup voilà, la télémétrie derrière moi, quand donc là James Webb est à mi-parcours de la grange L2. Quand James Webb, donc son point final, hein. Quand James Webb sera à la grange L2, je pense qu'Ikem, on fera un petit live récapitulatif, on fera une petite vidéo qui résumera un petit coup le lancement, parce que beaucoup n'ont pas pu être là, hein, je pense à Tiffany, Ikem, 25 décembre, vous comprenez que voilà. Je pense qu'on fera une petite vidéo qui résumera le décollage jusqu'à la mise en orbite de James Webb dans la grange L2, jusqu'aux déploiements et j'en passe. Ouais, carrément, on fera ça, et puis non, ça permettra aussi pour les gens qui n'ont pas été là de, on va dire, d'avoir le suivi du début jusqu'à la fin en concendé, donc ça peut être cool. Salut Hervé. Bonjour à tous et bonne année. Ouais, bonne année à tout le monde d'ailleurs, et que ouais, bah, vous ayez la santé et tout ce qui va avec, hein, d'ailleurs. Alors, je crois que tu m'avais dit oui, Ikem, mais tu seras présent, toi, demain pour la première de la vidéo. Yes, ouais, demain, oui, je suis donc, là. Demain, dans le chat, vous m'aurez moi, vous aurez Ikem et même Inspiration Créative. Hein. Donc voilà, et bah écoutez, alors par contre ça va pas être une vidéo ouf ce qu'on va voir là. En fait, petit à petit, vous allez voir donc les miroirs sur les côtés. Donc vous voyez, il y a trois miroirs sur le côté, il y a les mêmes de l'autre côté, qui vont progressivement s'aligner avec le miroir secondaire du coup. Donc va falloir être patient, voilà, on va voir vraiment une image de synthèse se mettre droite. Donc voilà, c'est pas un truc de ouf, mais on va vérifier que tout se passe bien. C'est un peu à l'image de Persévérance, hein, Ikem, quand on regarde les Persévérance. Sauf que là, bon, c'est peut-être un... Ah, je sais pas si c'est peut-être un peu mieux, enfin voilà. C'est si, ça. Parce que Persévérance, on a attendu... je me rappelle, on avait attendu des images pendant... Bon là, il y a de la synthèse au moins, tu vois, mais... Symboliquement, on va dire, on est là. Ah, et c'est vous ça. Aussi d'ailleurs, vous êtes là.
Non mais voilà, donc j'en profite encore, je vous le dis. Donc demain, 16h, c'est pas encore programmé, je peux pas vous donner le lien, c'est ce que j'aurais aimé. Mais demain, 16h, vous aurez cette vidéo-là, du coup, qui sera en première. Elle dure une vingtaine de minutes, hein, je préfère le prévenir. Mais j'aurai le lien ce soir, hein, enfin, je vous donnerai le lien ce soir pour la vidéo. Et puis on se retrouvera pour tout le monde, hein, s'il y en a qui veulent discuter demain. Et puis bah écoutez, voilà. Voilà. D'ailleurs, tu me fais penser en parlant de Marie pour le concours, vu qu'hier, Icar m'a ajouté, enfin. Icar, c'est le gagnant du concours et le gâteau. Totalement, il est où Icar là-dedans? J'ai trop de monde. Attends, c'est SG. Comment ça se fait que t'es plus clair que moi? Tiens, regarde, je me mets de la même couleur que toi. C'est la lumière. Attends, là j'ai vraiment l'air d'un fantôme. T'es inexistant là. Allez, bah du coup, on est là, je pense, pendant une petite heure. Une petite heure, ouais. On va voir le déploiement, je pense que vers 5h, on aura terminé aujourd'hui. Bah écoutez, si en attendant vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme je vous ai dit, ça va pas être un live foufou, hein, ça, il va rien avoir d'extraordinaire. Symboliquement, voilà, on va assister au dernier déploiement du coup du miroir. Et comme vous pouvez le voir un petit coup derrière moi, je vais même tenez, je vais retirer ma caméra quelques instants pour que vous puissiez visualiser. Je vous mettrai même le lien dans le chat si vous voulez avoir accès directement, c'est sur le blog de la NASA. Alors, je vais vous donner le lien parce que parfois ça peut être compliqué de trouver, c'est-à-dire c'est accessible à tous, mais pour le trouver parfois c'est compliqué. Parce que si par exemple vous tapez blog de la NASA James Webb, vous pouvez aller sur Google, vous tapez blog NASA James Webb, vous allez tomber par contre sur l'actualité écrite. Vous n'allez pas forcément tomber sur ce lien-là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais me retirer 2 petites secondes pour que vous puissiez le visualiser et je vais vous mettre du coup le lien dans le chat. Donc c'est accessible à tous, hein, c'est sur voilà, le blog de la NASA, alors c'est sur des choses un peu complexes parfois. Hop, donc voilà, si vous cliquez sur ce lien que je viens de vous envoyer, vous tomberez directement sur la grosse page télémétrique. Attendez, je crois même que je l'ai pas mis en... Si en kilomètres, si on est en kilomètres et en degrés. Oui, parce que choisissez bien, il y a 2 télémétries, hein, il y a les pieds foot et il y a les kilomètres et degrés. Hein. C'est bien que les Américains font pas comme nous. Donc là, je suis sur la page. On voit que James Webb est à mi-parcours. On est aujourd'hui au moment du déploiement. Et James Webb est à 106 000 km de la Terre. Ouais. Eric, salut. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Salut Arnaud aussi. Bah, bonne année aussi à toi. Et puis bonne santé. Hein. Bon, alors du coup, vos fêtes de Noël sont passées comment? Et surtout, le jour de l'an, vous avez fait quoi, tiens? Hop là. Ouais, salut à tous. Salut Arnaud. Arnaud qui a le badge, je sais plus c'est quoi, c'est 2 mois, ça? Attends, je sais pas. Donc quoi, un petit message, Ikem, toi tu sauras. Tu vas le c'est voir. Bon, c'est bon, c'est fait. Toujours le même. Vous allez bien, écoute, bah très bien Eric et toi? Bon écoute, ouais. Tout ça va nickel. Ah, Passion Space, bah tiens, tu vois, bah tiens, Passion, elle a celui de la mission Alpha. C'est ton prochain, ça, Ikem. Oh là là. Bon, je sais pas si je vais te changer parce que finalement, on voit pas grand chose, mission Alpha. D'ailleurs, faudra qu'on bosse sur les logos. Ouais. J'avoue que moi, J'ai la vidéo d'Elon, j'ai mes vidéos quotidiennes, Ah oui, j'ai oublié, bah tiens, Ikem, mets voir ton lien un coup dans le chat, parce que tu te doutes bien que moi j'ai mis un tas de conneries et que... De quoi? Par rapport à quoi? Le lien de ta chaîne, mets-le voir dans le chat, parce que Ikem, ça y est, il s'est relancé sur YouTube et ça marche pas mal, hein, en tout cas en ce moment. Ouais. Ah bah après, faut comprendre ce que je fais, mais ouais. Mais ouais, une vidéo, de toute façon, dès qu'elle sera sortie, j'enverrai le lien dans le Discord à Marco, c'est... La première, ce sera du début de Elon jusqu'à aujourd'hui. Et la prochaine, ce sera, je verrai, peut-être des anecdotes ou des. Ou d'autres choses, quoi. Mais pour le moment, c'est plus sur du gaming, entre guillemets. Mais.
Mais ouais, il y aura un peu de tout au fil du temps, quoi. C'est juste que la vidéo d'Elon me prend énormément de temps parce que le sujet, je le maîtrise pas 100% non plus. Donc, On a Eric qui nous demande oui, la forme, c'est quoi le sujet du live? Le télescope envoyé par Ariane 5. Exactement, Eric. En fait, aujourd'hui, je vous résume pour ceux qui arrivent ou qui ne. Ouais, voilà, il faut s'y intéresser comme un minimum pour suivre. Donc, James Webb a été envoyé le 25 décembre à bord d'une Ariane 5. Ikam, je pense qu'on va repasser peut-être la petite vidéo. Hein. Après, je vais faire mon explication. Ouais, ça dure 5 minutes. Hein. Je vais vous repasser la petite vidéo que j'avais passée avant Noël, ce qui va complètement... vous allez tout comprendre pour ceux qui y arrivent pour la première fois. Donc, je vais vous faire le petit résumé. Donc, James Webb a été envoyé par une Ariane 5 le 25 décembre. Il lui faut 30 jours pour aller dans une zone de notre galaxie qui s'appelle, ne me demandez pas pourquoi, mais ça s'appelle comme ça, ça s'appelle Lagrange L2. Donc Lagrange L2. Donc c'est, voilà, c'est la télémétrie, je vais y arriver, c'est la télémétrie qu'il y a derrière moi. Donc là on voit que James Webb est à mi-parcours. Dans 15 jours, elle sera arrivée dans Lagrange L2. Donc Lagrange L2 se situe à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est une zone où il n'y a quasiment rien, c'est une zone également froide. Donc en fait, c'est toutes les conditions nécessaires et c'est assez éloigné de la Terre parce que plus on éloigne le télescope, plus on pourra voir loin ou en tout cas de meilleure qualité. C'est comme un focus, hein, Cam. Quand on a une caméra, ouais. Il faut faire le focus pour avoir de la netteté. James Webb, le fait de l'envoyer loin, ça nous sert aussi à ça. Parce que par exemple, à comparaison, Hubble n'est seulement qu'à 400 km de la Terre. Donc elle est vraiment aux portes, 500 plutôt. Donc c'est comme Hubble est comme l'ISS, elle est vraiment très très proche de la Terre. Donc on peut voir loin, mais imaginez que si Hubble était à 1,5 million, on verrait beaucoup plus. Voilà. Et James Webb, sa particularité, c'est que vu qu'elle utilise, on va dire, des spectromètres et un peu tout ce qui est imagerie que vous pouvez retrouver dans les hôpitaux, hein, comme les scanners, etc., il faut un environnement froid parce que ces appareils chauffent beaucoup. Et donc, tout l'intérêt également, voilà, de son immense bouclier thermique. La coque, ouais. Voilà, James Webb aura toujours son bouclier thermique face au soleil parce que James Webb ne doit absolument pas chauffer. Pour vous dire quelque chose, James Webb sera seulement actif maintenant dans 5 mois et 15 jours. C'est-à-dire qu'une fois arrivé dans Lagrange L2, il va se paramétrer, il va se refroidir pendant 5 mois pour vraiment calibrer tous ces éléments de télémétrie ou autre. Et seulement dans 5 mois, quand il sera bien calibré, il commencera sa mission. Donc voilà, il faut vraiment que ça chauffe pas du tout. Parce que là, si tu veux, par exemple, le temps du voyage, même s'il y a le bouclier thermique, il chauffe. Et en fait, arrivé au moment de Lagrange L2, il va commencer à se refroidir progressivement. Et le temps de tout bien calibrer, ça va prendre un certain temps. Et on prend autant de temps, parce que je pense qu'on pourrait être plus rapide, on prend autant de temps, tout simplement, parce que là, on ne peut plus rien faire. James Webb est parti, si là, il y a le moindre problème, on ne peut pas intervenir dessus. Donc là, maintenant, vraiment, James Webb est en version automatique, en version autonome. Et le moindre problème, on ne peut rien faire du tout. Donc, c'est pas comme Hubble qui est aux portes de la Terre et au temps de la navette, on pouvait aller le voir. Même là, aujourd'hui, on n'a plus la navette. Ah, c'est dur. On n'a plus la navette, mais on pourrait quand même y accéder si on voulait. Ah, on pourrait quand même y accéder ? Allez, Hubble n'est qu'à 500 km. Donc, j'ai envie de te dire, si réellement on devait intervenir dessus, je pense aux missions Salyut. Si vous avez vu le film Salyut 7, c'était une des premières stations russes qui était partie à la dérive, incontrôlable. Et on était dans les années, des années 60. Hein. Écoutez, les Russes avaient quand même envoyé une mission à l'arrache et puis avaient quand même réussi à intercepter leur station spatiale. Donc vraiment, dans le pire des cas, on pourrait, si on voulait, intervenir sur Hubble. Tiens, on dit Elon, très bête, hein. Elon, dépêche-toi, active ton Starship qu'on a le réparé, le James Webb, le Hubble, je veux dire, ou tout simplement, Elon, tu nous prévois une petite mission, on lance une Crew Dragon. Et puis on va s'amarrer, je sais pas comment d'ailleurs, mais on va s'amarrer à Hubble. Tu nous conçois un module avec un bras robotique dans la Crew Dragon, par exemple. Au lieu d'avoir le port d'amarrage, tu vois le port d'amarrage qu'on a. Attends, je vais voir. Je vais. Voilà, Crew Dragon screen. Voilà, tenez. Oui, ça c'est une Crew Dragon. Toi, j'ai tout sous la main, ça c'est génial. Ça c'est une Crew Dragon.
Vous voyez qu'au-dessus, il y a un dôme. Imaginez, on pourrait peut-être faire ça. Au lieu d'avoir le dôme, donc le dôme, c'est le port d'amarrage quand il s'ouvre. Bah, d'ailleurs, Inspiration 4, eux, ils avaient un dôme transparent. On pourrait remplacer, mettre une petite fixation d'un bras, par exemple, et dire à Elon, écoute, t'envoies ta Crew Dragon vers Hubble, on le chope avec le bras, et à ce moment-là, si on a un astronaute à bord, bon, c'est un truc complètement fou parce que la Crew Dragon n'est pas du tout adaptée pour ça, mais tu vois, dans le pire des cas, même là, en 2 secondes, on peut imaginer des solutions. Bye. Ce que je veux dire, c'est que si réellement on devait intervenir sur Hubble parce qu'il représente un danger ou autre, je pense qu'on peut. Ce qui n'est pas le Ouf. cas, voilà, de James Webb. James Webb, il est à 1,5 million de kilomètres. Pour vous donner une indication, le Soleil est à 5 millions de kilomètres. Pour vous imaginer un peu la distance Terre-James Webb. Wow. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est là pour le lancement, enfin le lancement de James Webb est fait, on est là pour le déploiement du miroir primaire. J'ai pu voir comme l'image a un peu bougé, on peut voir que on n'est plus à 90 degrés, que le miroir commence progressivement à se À se mettre. déployer. Là, en fait, Ouais. voilà, il va pas s'activer d'un coup. Le miroir, si vous voulez, il commence, hein. Dès qu'on a commencé le direct, en fait, c'était le démarrage. Il va se mettre droit comme ça, progressivement. Donc là, on est en plein dedans. Et le live se terminera quand il sera parfaitement aligné. Moi, ce que je vous propose, parce que ça va durer un petit moment, un petit rappel, ou pour ceux qui nous suivent, bah, comme Eric, hein, je crois, qui demandent des petites questions, c'est qu'on va vous repasser la petite vidéo qui vous explique l'ensemble de cette mission et que vous allez forcément tout comprendre. Et il y a un intérêt pour nous, Européens, pour nous, Français, parce qu'il y a beaucoup de Belges, beaucoup de Québécois aussi. L'intérêt, c'est quand même que ces outils, son outil principal, a été conçu par la France. Par l'ESA, donc l'ESA c'est aussi bien la Belgique, voilà c'est l'Europe. Nos amis canadiens ne font pas partie de l'ESA, mais mine de rien ils nous ont quand même un peu aidé dessus. Donc voilà, c'est comme Persévérance, et il faudra qu'on fasse une vidéo, je pense qu'on fera une vidéo ICAM sur le savoir-faire français sur les outils spatiaux, parce que par exemple la Supercam de Persévérance, son œil, a été également conçue par l'Europe. Donc je pense qu'on en fera une vidéo un jour, parce que mine de rien on nous critique un peu en Europe en disant qu'on n'est pas ouf, mais on a un savoir-faire technologique qui est hors norme. Le Mais clairement, de Soleil, toute façon, 150 millions de kilomètres, merci Aigle. Noir, Arnaud, ciel gris, Normandie. Ah, c'est, on est sur la Normandie. Wow, 5 mois tout seul. Ouais. Moi, ce que je vous propose, je sais que certains l'ont déjà vu, mais comme le direct va durer un certain temps et qu'on va être sur ces images pendant un petit moment, voilà, je vous propose que pendant 5 minutes, on regarde du coup cette petite vidéo qui va peut-être faire un petit rappel à tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ikem? Toujours là, Icam? Ah bah toujours, hein. Eh ben écoute, moi je vous propose qu'on regarde la petite vidéo, je vais le mettre dans le petit encadré, et puis on est là avec vous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répond en direct. Je pense que ça va faire un bon petit rappel pour tout le monde. Ouais. 5 minutes Bah, d'explication. Icar est très content. Je tiens à te le dire, Icar est très content. Dis-lui de je venir de sur le live là pour confirmer qu'on l'a contacté. Non mais là il est occupé. Justement, j'ai envoyé un message, il peut pas te répondre. Mais du coup, il m'a dit ce soir. Depuis la base de Kourou en Guyane. Ce lancement exceptionnel fera l'objet d'énormément d'attention. Donc voilà la petite vidéo de présentation. Je vais couper mon micro le temps des explications. N'hésitez pas si vous êtes. Seront ses miroirs primaires et son bouclier thermique déployable. Au cours du voyage, le déploiement du miroir primaire de 6 mètres 60 est une opération délicate et inédite. Son immense écran solaire composé de 5 couches et de la taille d'un terrain de tennis permet un refroidissement du télescope à environ 50 Kelvin. Une nouvelle technologie qui a vu son coût initial estimé à 3 milliards de dollars passer à 10 milliards de dollars. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le James Webb compte déjà plusieurs années de retard pour sa mise en service. Puisqu'à la base, James Webb devait décoller en 2013. Car si on le compare souvent à Hubble, toujours en service, il en est bien différent. Webb embarque une série de 4 instruments qui se situent derrière le miroir primaire. L'instrument MIRI est constitué d'une caméra et d'un spectromètre à intégrale de champ qui observe dans l'infrarouge moyen entre 5 et 28 micromètres.
Le système optique de la caméra, conçu par les équipes françaises, contient 5 miroirs et une roue à filtre qui sélectionne le rayonnement infrarouge. Les images se forment sur un détecteur refroidi à une température de 7 Kelvin, soit moins 266 degrés Celsius. Pour cela, il embarque deux techniques différentes d'observation. La première est une innovation technique appelée coronographie à masque de phase. Les coronographes de Miri associent un masque situé à l'entrée de l'instrument et un diaphragme placé dans la roue à filtre. L'objectif est d'atténuer la lumière de l'étoile centrale pour observer le très faible signal émis par une exoplanète, en s'inspirant du principe des éclipses solaires. Miri sera le premier instrument spatial à utiliser ce type de coronographe. Cette technique permet d'observer principalement des planètes géantes, jeunes et chaudes, orbitant à plusieurs unités astronomiques de leur étoile. La seconde technique est la spectroscopie infrarouge pour observer des transits de planètes à petite période orbitale. Dans ces conditions, Miri peut alors enregistrer la lumière de l'étoile transmise par l'atmosphère de la planète lorsque celle-ci passe devant l'étoile, ou bien la lumière émise par la planète elle-même avant que celle-ci ne s'éclipse derrière l'étoile. Les spectres obtenus contiennent des informations précieuses sur la température effective, la composition moléculaire ou encore la présence de nuages. Si les exoplanètes géantes gazeuses seront les cibles privilégiées de Miri, on pourra aussi détecter par cette technique des petites planètes rocheuses. En effet, James Webb utilise une technologie d'imagerie par infrarouge, à l'inverse de Hubble qui, lui, utilise une technologie conventionnelle que l'on connaît tous aujourd'hui, de miroir. Pour faire simple, le James Webb Télescope a à sa disposition une batterie d'équipements technologiques. Ah, là on assiste au déploiement. Que l'œil humain, lui, ne peut pas percevoir. Il sera également beaucoup plus massif, mais à la fois plus léger. Hubble, lui, par exemple, ayant une masse de 11 tonnes au décollage, tandis que James Webb, lui, aura une masse de 6,5 tonnes. Mais au-delà de leur équipement bien différent, leur orbite le sera tout autant. Car James Webb sera placé sur une orbite dite de transition, avoisinant les 1,5 million de kilomètres de la Terre côté opposé au Soleil, d'où l'intérêt de son immense bouclier thermique. Car la technologie embarquée doit constamment être refroidie pour pouvoir fonctionner correctement. Au bout d'une croisière de 30 jours, Webb atteint son orbite autour du point de Lagrange L2, à 1 500 000 km de la Terre. Un environnement stable et froid, des conditions nécessaires pour observer le rayonnement infrarouge avec une sensibilité sans précédent. Tandis que Hubble, lui, était placé en orbite à seulement 500 km d'altitude approximative. En vous rappelant également que Hubble, lui, n'a plus de maintenance de ses équipements depuis l'arrêt des navettes spatiales en 2011. On espère que ce lancement sera une réussite, car ce télescope pourrait nous apporter beaucoup de réponses et changer notre vision sur l'origine de notre existence. Et pourquoi pas à l'occasion, nous faire découvrir une nouvelle civilisation. Donc voilà, c'était la petite vidéo de présentation du James Webb qu'on avait mise en ligne du coup avant le lancement. Icam, toi ça t'a fait un petit rappel? J'ai vu que les images de synthèse, ça pète, c'est une super belle technologie. Ouais, c'est quand même fou, hein. Le rendu que tu peux avoir avec ça, c'est incroyable. Il y en a qui me l'avaient demandé en privé, qu'est-ce qui a marqué sur le t-shirt? C'est Houston, we are the problem. Alors c'est une petite référence à Apollo 13. Houston, quand, on a un problème. Quand Apollo 13, ils avaient brassé leur réservoir d'oxygène. Il y avait eu un court-circuit, ça avait explosé le vaisseau Columbus. Et en fait, voilà, c'est la fameuse phrase Houston, on a un problème. Mais voilà, donc petite présentation donc pour ceux qui se posaient encore des questions sur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, et peut-être d'autres questions sur James Webb. Et ben écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo a pu vous aider. Alors ça a l'air assez compliqué comme ça, c'est vrai, mais je pense que les explications ont été faites en sorte que tout le monde puisse à peu près comprendre sans rentrer trop dans les détails. C'est ça. C'est pas évident à comprendre, voilà, comme nous dit Eric, mais c'est assez incroyable, j'ai des frissons au cœur. Mais c'est ce que j'ai expliqué, en fait, lors du direct,
C'est ce que j'expliquais. Dites-vous quand même quelque chose, c'est que à la base, tenez par exemple, on prend Hubble. Hubble, il avait été conçu pour une mission. Ah, ça y est, on a les premières réussies. Ah, ça a l'air de très bien se passer. Excusez-moi, je coupe 2 secondes. Tiens, Icam, la première phase du déploiement a été réussie. Ah, Ouais, petite je les parenthèse. vois applaudir. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, bah, je reprends le comparatif de Hubble. Hubble a été lancé en 1990. J'étais pas né, je suis né en 91. Et Hubble avait une mission de durée de vie de 10 ans, initialement. On est en 2021, Hubble existe encore. Bon, c'est peut-être sa dernière année où il arrive en fin de vie quand même. Mais voilà, il était prévu pour 10 ans. On est en 2021, plus de 30 ans d'existence. Et c'est ce que j'expliquais. Là aujourd'hui, James Webb, vu qu'il est très loin et qu'on ne pourra pas faire de maintenance dessus et que là c'est limite, il se doit se débrouiller tout seul comme un grand garçon, on ne pourra pas non plus le ramener sur Terre. James Webb aujourd'hui, sa mission initiale, elle est de 5 ans, qui a été doublée grâce au savoir-faire de l'Agence spatiale européenne, grâce au savoir-faire de l'Ariane 5 et de toute son équipe technique. Et on pense d'ailleurs à Nino, hein, qui travaille également, alors pas directement sur les lancements, mais il travaille pour les systèmes de refroidissement, etc., sur l'Ariane 5. On fait un petit clin d'œil à nos Français, et du coup à Nino qui nous offre sa caméra de temps en temps. Et ben grâce au savoir-faire de toutes ces personnes-là, rien qu'avec un lancement exceptionnel, parfait, sans accroc, vraiment, le lancement a été parfait pour James Webb, on a doublé déjà directement sa durée de vie. C'est-à-dire qu'on est passé de 5 ans à 10 ans. Pourquoi? Et bien tout simplement, vu que le lancement a été tellement bien fait, dites-vous quand même, on le place sur une orbite à 1,5 million de kilomètres, hein, t'imagines un peu? Et bien, il n'y a pas eu de problème, tout s'est parfait parfaitement bien. Et grâce à ça, eh ben on a économisé énormément de carburant qui était prévu pour différentes corrections de trajectoire, hein, si jamais il y avait des problèmes. Pas de correction de trajectoire, pas de souci. On a économisé le carburant qu'on a embarqué avec James Webb. Et grâce à ça, eh ben voilà, on a gagné minimum 5 ans de durée de vie supplémentaire. Rien qu'avec un lancement parfait, Icam. Donc là, initialement, James Webb a une durée de vie minimum de 10 ans. Et on n'est qu'au début. Et moi, ce que j'expliquais, c'est qu'on est au début d'une grande histoire. Puisque ça se trouve dans 20 ans, comme j'expliquais, si YouTube existe encore, hein, parce qu'on ne sait jamais, hein, ça va tellement vite aujourd'hui, si YouTube existe encore dans 20 ans, on sera peut-être en train de regarder ces fameux décollages et on se dira, mais ça y est, toi, James Webb, il est encore là, il nous fait découvrir. Peut-être que James Webb nous fera découvrir des mondes habités, on ne sait pas, tu vois. Peut-être que James Webb, son but premier, c'est nous faire découvrir l'origine de notre univers. Sur toutes les thèses, par exemple comme le Big Bang ou autre, c'est vraiment nous apporter des réponses sur la formation de la création de notre univers, comme la théorie d'Einstein, comme quoi l'univers serait en perpétuelle expansion, mais qu'en même temps il se replierait sur lui-même, comme un élastique au final. Un élastique, vous le tendez, et arrivé à un moment, il revient aussi sur lui-même. Et apparemment, l'univers sera un peu comme ça. Donc James Webb est là pour nous apporter un peu des réponses sur ça. Et ça se trouve, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, voire plus, on aura des réponses sur des trucs complètement dingues grâce à ce télescope. Et on est au début d'une grande histoire, on ne s'en rend pas compte forcément là, mais un peu comme Persévérance, hein, Icam. Persévérance, là, il est posé sur Mars. Ça se trouve, dans quelques années, grâce au forage qu'il est en train de faire, des échantillons qu'on va rapporter sur Terre, on va découvrir des trucs faramineux et on se dira, mais on y était, nous, à l'époque, tu vois? Donc on s'en rend pas compte encore, mais c'est vraiment le début d'une grande histoire, comme l'a été Hubble dans les années 90. Hein, Hubble, jamais on aurait pensé que 30 ans après, il serait encore là. Et la preuve, c'est qu'il est toujours là aujourd'hui. Et je pense qu'on aurait encore aujourd'hui des navettes spatiales. On aurait pu faire des maintenances, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo, on n'a pas fait de maintenance sur Hubble, donc même on n'a même pas nettoyé le miroir. Alors, même si on dit que l'espace est vide, il y a quand même de la poussière, il y a quand même des débris, le miroir n'est pas propre. Voilà, on n'a même pas nettoyé son miroir depuis 10 ans. Dans un Imagine, t'es état, dans le ton truc. appart, t'as pas nettoyé les vitres depuis 10 ans. Bon, je veux bien clair, il n'y a pas grand-chose dedans, mais ça devient un peu sale au bout d'un moment. Tu vois? Un peu beaucoup. Donc, imaginez que on ait encore un programme de navette et que régulièrement on puisse entretenir Hubble. Ça se trouve, Hubble serait encore là pendant 20 ou 30 ans. Donc voilà, on s'en rend pas compte, on est au début d'une grande histoire qui est partie vraiment sur les chapeaux de roue grâce, et je tiens encore à le souligner, grâce au savoir-faire de l'Agence spatiale européenne, grâce à la maîtrise et à la fiabilité de notre chère fusée, l'Ariane 5. On a déjà rallongé, on a déjà doublé la durée de vie de James Webb, et ça, rien que ça, c'est énorme.
C'est énorme. Pour un satellite, enfin un satellite, oui, c'est un satellite, hein, pour un télescope qui a coûté 5 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, par contre. C'est quelque chose de complètement dingue. Tiens, pour vous donner une idée, si je dis pas de conneries, le coût final de la Station Spatiale Internationale, de l'ISS, je crois que c'était 100 milliards de dollars. Waouh! Oh la vache! Imaginez simplement que James Webb, c'est un dixième du prix de la station spatiale. Bon, le truc, toi. Non, mais, tu vois, pour s'imaginer un petit peu l'argent que ça représente. Et surtout qu'on a investi autant d'argent, finalement, sur un coup de poker, parce que le lancement se serait mal passé. Là, il y a un problème. Imaginez que là, maintenant, tout de suite, il y a un problème. On ne peut absolument rien faire. Tant pis. Donc, un peu comme Persévérance sur Mars, hein. Persévérance a un problème. Bah tiens, Ikam, tu prends un Uber et tu vas le réparer. Un petit burrito ou un Uber. Non, Eric, James Webb ne pourra pas redescendre. Il restera toute sa vie, pour le moment, dans ce qu'on appelle voilà, la zone de l'axie, la Grange L2. C'est une zone où il n'y a quasiment rien. C'est une zone où il va pouvoir voyager librement. Et en fait, quand il va arriver en durée de vie, en fait, cette durée de vie, si tous ces équipements électroniques fonctionnent parfaitement jusqu'au bout, en fait, sa durée de vie dépendra de ses réservoirs de carburant. Donc, c'est dans les petites. Alors là, on ne les voit pas bien sur les images, mais voilà, c'est son carburant, on va dire. Tant que James Webb a du carburant, James Webb fonctionnera, si ses équipements fonctionnent bien aussi. Et donc, voilà, sa durée de vie dépend de ses réservoirs de carburant. Et une fois que James Webb aura épuisé tous ses carburants, et bah écoutez, tout simplement, il continuera à errer, j'ai envie de dire pour l'éternité, dans cette zone de la galaxie, et non, il ne reviendra pas sur Terre. Il ne reviendra pas sur Terre. Parce que, pour quelque chose que tout le monde pourra comprendre, on ne peut pas le ramener sur Terre, tout simplement, parce qu'on n'aura pas assez de puissance, tout simplement. Vous avez sûrement déjà entendu, force égale et opposée, ça se résume très simplement. Si on envoie James Webb, imaginons, pendant 5 mois à une vitesse comme ça, et ben pour déjà l'arrêter, il faudra exactement faire, ou alors par un système de gravitation des planètes, on peut se freiner grâce à la gravité. Si par exemple on pousse comme ça pendant 5 minutes, il faut pousser dans le sens opposé pendant 5 minutes pour être stabilisé. Donc là, imagine simplement que James Webb, pendant 6 mois, il va être lancé. Bon, c'est pas droit, hein, c'est vraiment pour schématiser. Il va être lancé comme ça pendant 6 mois à une certaine propulsion, qui est la propulsion donnée par l'impulsion de l'Ariane 5. Imaginez quand même la puissance de l'Ariane 5 pour mettre quelque chose en orbite. Donc là, si jamais on voulait faire revenir James Webb, il faudrait qu'on ait exactement quasiment la même force dans l'autre sens. Donc, je pense pas que James Webb, avec ses petits réservoirs, ses petits RCS, sont capables de donner une telle propulsion. Alors, il pourrait revenir même tout doucement, mais il mettrait vraiment des années, des années, des années. Voilà, quoi, c'est pas la peine. Puis il n'y aurait aucun intérêt finalement à récupérer James Webb, parce que après tant d'années de service, malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de choses en bon état. Donc voilà, à la fin de sa vie, James Webb continuera à errer dans la zone de la galaxie qui s'appelle la Grange L2. Peut-être qu'un jour on ira le récupérer, hein. Si un jour le Starship d'Elon Musk est en bon fonctionnement, peut-être qu'un jour on verra une mission de sauvetage du Starship récupérer James Webb. On ne sait pas du tout. Peut-être qu'un jour on le retrouvera sur Terre. C'est la grande différence, Ikam, avec la sonde Lucy, hein, sur laquelle on a un peu travaillé. La sonde Lucy, elle est partie explorer les astéroïdes de Jupiter, je crois. Je confonds toujours les. Moi, ouais, je crois que c'est Jupiter. Et ben, par contre, elle, pendant 10 ans, elle va voyager un petit peu partout. Et en fait, elle va se servir de l'attraction des différentes planètes. Là, je crois qu'elle est toujours autour de la Terre, ou elle vient de partir de la Terre, parce que elle s'éloignait progressivement de la Terre, c'est en agrandissant son orbite, pour gagner en vitesse. Mmh. Et en fait, Lucie, elle, pendant 10 ans, va aller un petit coup autour de Jupiter, va aller un petit coup, ou c'est Pluton, je sais plus. Non, c'est Jupiter.
Donc elle va aller un petit coup autour de Jupiter, elle va aller autour de ses astéroïdes pour les étudier, et elle va aller, voilà, parce qu'elle en a beaucoup, et elle va se servir à chaque fois, elle n'a pas beaucoup de carburant, mais elle va se servir à chaque fois de l'attraction des planètes pour gagner en vitesse, ralentir, etc. Et elle va revenir même de temps en temps autour de la Terre, et à la fin de sa mission, donc la sonde Lucy, qui va aller étudier tous ces petits astéroïdes, et ben écoutez, elle sera de retour sur Terre, c'est-à-dire qu'à la fin de ses missions, dans un peu plus de 10 ans, elle va revenir sur Terre et toutes ses expériences vont revenir sur Terre. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de James Webb. James Webb, non, c'est... il est parti, quoi, c'est... Bah, après, on en a envoyé beaucoup, Eric, hein, des sondes, des satellites qui ne reviendront jamais. Et on pense notamment au Golden Record, hein, des sondes Voyager 1 et 2. Le disque, ouais. Dont cette année, ça sera les derniers signes de vie qu'on obtiendra d'eux. Car ils sont tellement loin... Pour vous dire, voilà, les sondes Voyager 1 et 2 qui ont emporté avec eux les Golden Records. Donc les Golden Records, c'est les disques d'or. Donc où il y a des images, il y a des sons. Des sons dessus. Il y a beaucoup de choses qui représentent notre vie sur la Terre. Voilà, les Golden Records, les Voyager 1 et 2 qui ont été lancés il y a plus de 50 ans, sont hors de notre galaxie. Et là, ouais, cette année, ça va être les derniers moments où on aura un semblant de signe de vie d'elle. Et on n'aura plus aucun contact avec elle. Épique. C'est un peu une bouteille à la mer qu'on a lancée. Toi, Icam, toi qui adore raconter des histoires, là, ça, toi, c'est le genre d'histoire qu'on pourrait raconter, quoi. Vraiment, en plus... j'avoue que le truc, t'as trouvé la métaphore, c'est des bouteilles que tu jettes à la mer, c'est un peu ça, en fait. Tu la jettes en espérant que quelqu'un un jour la trouve, et ouais, c'est... Alors, un peu... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Golden Record, je vais vous chercher des images... C'est un disque en or où dessus il y a des sons, des bruits, etc. En fait, c'est bête, mais si un jour quelqu'un le trouve, bah, une autre civilisation, voilà, et un vinyle, c'est pour qu'il puisse justement. C'est pour laisser une trace de notre civilisation. Ouais, voilà. Après, je vous avoue que moi je trouve. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire sûrement si il y a une autre civilisation, mais moi j'y crois pas. Hein. Je sais pas, je me dis qu'il n'y a pas d'autre. Mais il y a peu de probabilité qu'on soit les seuls. Non. Attends, qu'est-ce que tu dis? Ouais, je sais pas. Je crois que dans l'univers connu, on connaît pas tout. On est, et pour te dire un peu, tu vas voir le chiffre que je vais te donner. Je crois que dans l'univers connu, on estime qu'on est entre 100 000 et 200 000. Imagine déjà qu'on se donne une fourchette de 100 000, pour te dire. On est entre 100 000 et 200 000 milliards de galaxies. Je parle de galaxies, je parle pas de planètes. On est entre 100 000 et 200 000 milliards de galaxies. On sait pas, tu vois, on se donne une fourchette de 100 000 milliards, peut-être en plus ou pas, de galaxies, pour te donner une indication. Et une galaxie, c'est comme la nôtre, c'est la Voie lactée, donc ce qui comprend tout un système solaire, plusieurs systèmes solaires, des trous noirs, des choses. Alors imagine, si on, même sur 100 000 milliards, imagine la probabilité qu'on ait quand même une espèce vivante. C'est possible quand même. Pourquoi la Terre serait la seule, quoi. Ouais, j'avoue. Mais je sais pas, c'est parce que je me dis... On parle pas de planète, hein, Cam. On parle de galaxies. Ouais, non, je sais, mais je sais pas. Je me dis que c'est peut-être un peu complexe ou quoi, je sais pas. Donc voilà, pour ceux qui veulent avoir une idée des Golden Records, je vous les affiche à l'écran. Donc voilà, c'était des disques d'or, voilà, qui étaient affichés tels quels sur les sondes et qui ont été envoyés, du coup, avec les sondes Voyager 1 et 2. Il y a très très longtemps de ça. Alors, on a Mac qui est là. Oui, j'avais dit bonjour dans le chat. Les ingénieurs continuent les dernières vérifications avant le déploiement dans 4 minutes, Icam. 4 minutes avant le déploiement du... Alors là, tenez, pour vous donner, pour vous foutre un peu les jetons, pour vous forcer à rester sur le direct. Imagine, il y a tout qui explose. Boum. Dites-vous un truc. C'est que là, dans 4 minutes ou 3 maintenant, parce que j'ai vu le message en retard, imaginez simplement... qu'il y ait quelque chose qui foire sur le déploiement des miroirs. Oh non, non, les miroirs n'arrivent pas à s'aligner. C'est la fin de mission pour le James Webb. Oh non, et après tout ce temps-là, non. Là, si par exemple, enfin, fin de mission, peut-être qu'on peut l'utiliser à d'autres choses, mais vous comprenez que s'il n'est pas dans sa totalité, il ne va pas servir à grand-chose. Si les miroirs n'arrivent pas correctement à bien se déployer, c'est la fin de tout. Ça fait mal au cul quand même dit comme ça. Putain. Voilà. Je dis ça comme ça. Et James Webb, je vous rappelle que sa conception a commencé dans les années 2000 et devait être lancée en 2013.
On a déjà plus de 10 ans de retard sur le lancement. Et je te raconte même pas le nombre de personnes au chômage qui se retrouveraient du jour au lendemain. Bah là, regarde, on va vous voyez là tout le centre de contrôle. Bah, tout le centre de contrôle, c'est les employés, c'est les gens de la NASA, des ingénieurs ou autres qui vont bosser, pas toute leur vie, mais une bonne partie en tout cas de leur carrière dans cette salle consacrée au James Webb. Un peu comme au JPL où il y a toute une salle consacrée à Persévérance. Et pareil qu'il y a une salle qui est consacrée à Lucy. Chaque satellite, chaque chose a sa propre salle avec sa propre équipe. Voilà, donc imaginez simplement juste comme ça que là on n'arrive pas à déployer le miroir. Bah, tous ces gens-là, du jour au lendemain, ont potentiellement plus de boulot. Hein. Je dis ça parce que ça me rappelle quand on a arrêté le programme des navettes spatiales. Alors, c'est pas simplement la fin d'un programme, ça a mis des milliers de personnes au chômage. Toutes les personnes qui étaient là et qui travaillaient sur la navette, tous les ingénieurs, tous ceux, même les ouvriers qui travaillaient quotidiennement au lancement des navettes, se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. C'est, quand on dit fin d'un programme, c'est aussi fin d'emploi, c'est aussi fin de beaucoup de choses. Bon là, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais il faut quand même y penser. Hein. Quand on arrête quelque chose, bah il y a des gens qui se retrouvent sans rien, quoi. Donc là, regarde, Icam, on est sur un télescope qui fonctionne. Ça a l'air bête, comme ça, on dit à quoi ça sert. Bah, au-delà des découvertes qu'on va pouvoir obtenir, ça servira à quoi? Bah, ça servira à donner du boulot rien qu'à des gens pendant 10 ans. Ouais. Voilà, non mais toi c'est tout bête hein, Icam, c'est vraiment tout bête, mais au-delà des découvertes qu'on fera, bah, y a des gens qui vont vivre grâce à ça pendant des années. C'est pour ça que c'est aussi important, et toi on en parlait il n'y a pas si longtemps dans un direct, bah, bon, on sait que Nino c'est bête, mais si le lancement se passe mal, bah, ça peut avoir des impacts, je sais pas directement, mais ça peut avoir des impacts sur les salaires ou sur les différentes primes. Que les ouvriers là-bas peuvent avoir. Un lancement qui foire, on nous a dit que quand un lancement est réussi, ben les employés avaient une toute petite, hein, c'est pas grand-chose, avaient une toute petite prime. Mais en sachant que, par exemple, en Guyane, la vie est très chère, hein, et quand même, on a vu, nous, quand on voulait se faire importer des choses, le prix d'importation est... Voilà. La vie est très chère là-bas, donc un lancement réussi, c'est une prime. Donc, bah, c'est une amélioration des conditions de vie, hein. Ça a l'air tout bête. Hein. Ben. Donc voilà, au-delà qu'on balance des milliards pour envoyer des choses, bah, comme moi, là, je suis pas d'accord sur le fait qu'on va dépenser des milliards pour aller explorer Vénus. Or, même si ça m'intéresse, je trouve qu'on a autre chose à faire entre retourner sur la Lune, les missions pour peut-être explorer Mars, James Webb, dépenser autant d'argent pour aller explorer un caillou d'acide sulfurique, bon... Voilà, si tu veux, c'est bon. Je trouve qu'on a autre chose à faire que ça en ce moment. Bah... Enfin voilà. Après, au-delà des découvertes, faut pas oublier que ça fait vivre des gens, tout simplement. C'est bête, hein. Bah mais c'est vrai, en plus c'est exactement ça. C'est fait. Enfin, ça permet de les nourrir. Enfin, c'est pas mal de gens qui ont bossé dessus. T'imagines tout ça, toutes c'est les ça. Personnes qui ont bossé dessus. Puis ça sert aussi à faire avancer la technologie, parce que si nous, aujourd'hui, on pense que ça ne va pas nous servir à grand-chose, le bond en avant technologique qu'on peut faire en concevant ce genre d'appareil ou avec les découvertes qu'on va faire, ça pourra servir aux générations futures à encore plus se développer technologiquement. Il ne faut pas penser qu'à nous sur le moment, il faut vraiment penser plus loin. Et regardez, par exemple, si aujourd'hui on fait des voyages de plus en plus longs dans la station spatiale, aujourd'hui, nous, notre génération ou dans les 100 ans à venir, on ne pourra toujours pas vivre dans l'espace, mais c'est ce que j'explique à chaque fois. À force de rester dans l'espace, notre corps progressivement va évoluer, va s'adapter. Et ça se trouve, dans 300 ans, les gens qui feront bah, comme ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire iront dans l'espace, seront peut-être plus à même à leur corps, notre corps sera plus adapté à l'espace. Tu vois, on va évoluer au fur et à mesure du temps, comme l'homme a évolué au début de sa création. Donc c'est pour ça, faut pas penser qu'à nous, faut vraiment penser, faut voir, faut essayer en tout cas de voir plus loin que ça. Le miroir comporte 18 segments, mais donc des potentiels résultats sur cette mission pourraient être annoncés dans 5 mois. Allez, on va globaliser, si vous m'en voulez pas, on va globaliser. Dans à peu près 6 mois, voilà, James Webb est opérationnel. Donc là, à partir de ce moment-là, James Webb va commencer à travailler, va commencer... Alors, je sais pas sur quoi il va commencer à travailler. Je pense que si on regarde sur le blog de la NASA, on aura tout le fil conducteur.
Mais à partir de ce moment-là, pardon, oui, on va potentiellement commencer à avoir des résultats. Pas forcément dans 6 mois, peut-être dans 6 mois et demi, 7 mois, voilà, on va commencer à avoir vraiment des images. Et des résultats de découverte. Mac qui nous dit, d'ailleurs, ça fait plaisir de revoir Mac sur un direct. Les ingénieurs vérifient actuellement et vont relancer le moteur du déploiement. Ok, ok. Donc voilà, faut pas penser que c'est juste une idée qui pousse beaucoup d'argent. Hein. C'est aussi bien technologie pour les générations futures que pour faire vivre des gens. C'est bête, mais on va pas parler d'économie aujourd'hui, mais pour juste aborder le sujet, parce que je sais que certains aiment l'espace, mais trouvent que c'est beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose au final. Pour vous dire quelque chose, aux États-Unis, je me souviens de quelque chose. Par exemple, je crois, non, c'est pas SpaceX, enfin, je sais plus, il faudra que je me remémore ce que ça, mais sur des sites de lancement, vous savez que les États-Unis, les programmes de lancement spatiaux, hors SpaceX et autres, sont des programmes publics, comme la NASA. Alors, c'est tout bête, mais on dit souvent que la NASA, n'a pas beaucoup de budget, bah, comparé au programme militaire américain, c'est 15-20 fois plus le programme militaire. Eh bien, c'est tout bête, mais comme la NASA est une organisation publique américaine, si elle veut beaucoup d'argent, ben, il faut qu'elle propose des... C'est bête, hein, mais il faut qu'elle propose des concepts, des projets qui coûtent beaucoup d'argent. Si la NASA veut beaucoup d'argent, il faut par exemple qu'elle prévoie un programme spatial sur 10 ans. Tiens, très bête. La NASA veut beaucoup d'argent. On résume vraiment très vite fait. Eh bien, écoutez, ils vont dire, on va retourner sur la Lune. Donc là, le Parlement américain va voter oui, le Sénat et tout, voilà, c'est validé. Et là, la NASA va dire, bah nous, pour retourner sur la Lune, on se base sur un projet de 10 ans, ça va coûter tant, on va faire tant de lancements, on va faire ci, on va faire ça, et bref, ça va faire une fourchette de prix. Et c'est de ça, en fait, que le budget va leur être attribué. C'est-à-dire, grosso modo, que si demain, la NASA n'a pas de projet, tout simplement, bah, ils n'ont pas d'argent. C'est aussi bête que ça. Hein. Si demain, là, on retourne sur la Lune, enfin bref, ça y est, le programme est terminé et que la NASA n'est pas directement lancée sur un autre projet, ben, ils n'ont pas d'argent. Donc, en fait, si vous voulez, pour résumer, tous ces programmes publics sont obligés, quotidiennement, d'élaborer des projets sur du long terme et de peut-être de plus en plus ouf. Tu vois, Icam, si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, non, moi je vois de quoi tu parles, moi je vois très bien, c'est... Et donc c'est pour ça que les projets aussi bien coûtent cher, d'ailleurs de toute façon c'est pas parce que ça coûte cher, hein, c'est vraiment que bah, ça coûte vraiment très très cher de faire ce genre de choses, et voilà, ils sont obligés quotidiennement de se lancer sur différents projets. Parce que la survie, si vous voulez, de la NASA dépend tout simplement du public américain. C'est le public, entre guillemets, qui élit le Sénat, donc le gouvernement américain. Et c'est le Sénat, par exemple, qui donne les moyens à la NASA. Donc il faut aussi que les programmes spatiaux plaisent au public américain. Si demain, le public américain se redésintéresse du programme spatial, bah, le Sénat donnera beaucoup moins de budget à la NASA. C'est ce qui s'est passé pour les missions Apollo. Au début, tout le monde était heureux de voir les hommes marcher sur la Lune. Bon, après, quand ça a été le 3, 4, 5e à marcher sur la Lune, le public s'en foutait un peu. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de budget. Beaucoup moins, en tout cas. Tu sais, la théorie qu'il y avait eu, que soi-disant c'était un fond vert à l'époque, c'était pas vrai. Tu penses quoi de ça, toi, par exemple ? Non, c'est des conneries. On a la technologie pour... Non. Pour moi, c'est des conneries. C'est des conneries et ça... Non, on a vraiment été sur la Lune. Alors après, c'est ce qu'on sait. Non, qu'on a été sur la Lune, ça, bon, chacun pense ce qu'il veut, mais bon, bah, on y a été. Et après, j'ai envie de te dire un truc, Icam, sans partir dans le débat, si les Américains avaient menti en ayant été sur la Lune, imaginons, Apollo 11, Neil Armstrong, Aldrin, tout ça, c'est du mensonge. Pourquoi est-ce qu'ils auraient pris le risque de mentir 5 fois de plus? Parce qu'on est retourné sur la Lune depuis. Hein. Pourquoi est-ce que si le premier mensonge... Tiens, regarde, on voit le déploiement du miroir. Si le premier mensonge avait réussi, pourquoi est-ce qu'on aurait pris le risque de mentir encore, encore et encore? Ouais, j'avoue. Allez, regardez bien, on a le déploiement du miroir. On peut voir le miroir bouger petit à petit. T'arrives à le voir, Icam, à bouger? Ouais.
Bon, moi je l'ai sur le second écran. Et si on en croit, le compteur qui est en vert sur votre écran, dans 3 minutes, le miroir primaire du coup de James Webb sera aligné correctement. C'est stylé en tout cas. Bon, là bien sûr ça marche pixel par pixel, mais vous pouvez voir l'évolution du miroir petit à petit. Donc voilà, on est 14 jours après le lancement qui a lieu du coup le 25 décembre 2021. Il nous reste un peu moins de 3 minutes avant le parfait alignement du miroir primaire. Et là, on pourrait dire que James Webb est complètement, enfin en tout cas, est bien déployé au niveau de ses outils télémétriques. Ça fait depuis le temps que tout le monde attendait ça, que James Webb soit enfin lançable et tout le retard qu'il y a eu. C'est ça. Mac qui nous dit déploiement de la rotation du miroir et en rotation réelle. Donc là, ouais, c'est vraiment en instantané qu'on voit tout ça. T'as vu, Cam, ils ont été quand même à faire jusque les reflets sur le miroir en synthèse. Non, mais c'est bien fait, hein. Je suis en train de regarder. En vrai, c'est ultra quali ce qu'ils ont fait, sans déconner, c'est... C'est propre. Ouais. Alors on a Hervé qui nous dit la vitesse de 300 000 miles kilomètres heure normalement si je me trompe pas. 300 000 kilomètres heure normalement c'est pas la vitesse de la lumière ça. Merci de partager. D'habitude, je regarde en replay, mais là, j'avoue qu'en direct, c'est beaucoup plus fort. Bah écoute, merci à toi, Sandra. Je crois que 300 000 km/h, c'est la vitesse de la lumière. À vérifier. Allez. Attention. Bon, là, le compte à rebours n'est pas arrivé à zéro. Hein. Il y a tout encore pas mal de petits paramètres de vérification. Mais écoutez, ça semble parfait pour l'instant. Le miroir primaire de James Webb qui a l'air complètement et très bien déployé. On va attendre la validation, vous allez voir, ils vont tous être heureux comme des fous, et c'est normal. Mais allez, on y est bientôt. Ça y est, déploiement réussi. Confirmé de James Webb, voilà, son miroir est parfaitement aligné et parfaitement déployé en ce qui concerne ses outils de télémétrie. Et bien, Icam, on peut faire un grand souffle de soulagement. Le miroir est opérationnel. Et ben dis donc, il en aura fallu le temps pour arriver jusqu'ici. C'est ça. Bon, c'est pas la même émotion que Persévérance. Hein. C'est vrai que c'était pas la même chose. Mais bon, là, on est quand même content. Non, mais c'est cool, je trouve. Ça fait du bien. En vrai, là, en plus, début janvier, on va pas se mentir. Il y a pas de lancement, il n'y a pas grand chose. C'est cool d'avoir un truc qui est important. Je veux dire, là, au début d'année, ouais. Mou, là, j'avoue. Donc. Là, on sait que c'est pas un petit lancement. Là, c'est quelque chose de réel, quoi. C'est le déploiement du miroir. En plus, sachant que ça fait des années qu'ils ont voulu lancer le James Webb, là, on arrive enfin à un moment crucial depuis tout ce temps où ça a été reporté. Donc, même surtout pour l'équipe, je pense que c'est le moment le plus important pour eux, je pense en vrai. Je pense que c'est le top départ pour eux. Là, c'est parti. Ah là, ben. Depuis le temps, t'imagines toi, ça fait des années qu'ils attendent ça, ils l'ont enfin ce moment, mais ils doivent être plus qu'heureux. Hein. C'est quelque chose. Hein. Bah en tout cas, on est content pour eux. On est content pour eux, ouais. Ça se passe vraiment très bien. Et donc, je vais vous remettre également, si jamais ça vous intéresse de suivre en temps réel la télémétrie et tout ce qui va se passer jusqu'à la grange L2, je vous remets le lien dans le chat pour avoir ce qu'il y a juste à côté de moi, c'est-à-dire la courbe, la timeline en temps réel. Vous avez du coup l'éloignement de la Terre, vous avez la télémétrie, vous avez voilà beaucoup d'informations si jamais James Webb vous intéresse. Félicitations à tous les scientifiques et aux techniciens et autres. Ouais, bravo à tous. Eric qui nous dit c'est pas mal que sa mission a été retardée, certes à coût plus cher ainsi que manque de patience, mais notre technologie toujours plus fiable qu'en 2013. Ouais, elle sera toujours beaucoup plus fiable, mais oui, sur ça, je suis d'accord avec toi. Mac qui nous dit les premiers objectifs du James Webb est l'étude de la théorie du Big Bang. Et le Big Bang, qu'est-ce que c'est? C'est l'origine de la création Terre, de la galaxie, et de plein de choses. De tout, voilà, la création de l'origine de l'univers.
Et James Webb, sa première mission, c'est tiens, dis-nous comment l'univers s'est créé. Tu sais, on commence pas doucement. C'est paf. Allez. Pas mal. Ça pique. Bah écoutez, en tout cas, voilà. Si vous étiez là pour regarder le déploiement du miroir, sachez que ça a été une mission réussie. Donc là, je pense que le live va durer encore quelques minutes. Je pense pas que la NASA va rester encore des heures dessus. En tout cas, tout s'est bien passé. Le miroir s'est parfaitement déployé. Cam, content du coup d'avoir assisté à ça? Ouais, non, vraiment, c'était stylé. En plus, bah, en vrai, sans mentir, les miroirs, ils sont, enfin, c'est magnifique, doré bon, comme ça. Ça pète, hein. Tu te rappelles? Moi, je veux le pins, là. Sans déconner, c'est incroyable. Commande, vas-y. Tu te rappelles, Icam, petite question, est-ce que tu te rappelles de quels matériaux sont recouverts les miroirs? C'est de cherche l'or, mais enfin, de l'or. Non, mais c'est de l'or. Mais c'est de l'or. Bah. Après, dessous, il y a l'alliage en carbone et tout ça, mais... C'est de l'or, c'est recouvert d'or. Oui. Alors, on va rester encore quelques minutes, du coup, on va voir si la NASA nous propose autre chose. Mais je pense qu'on mettra fin au direct, du coup, dans pas trop longtemps. Mais en tout cas, on est content, une petite heure. Ah, il y a Tiffen. Pardon. Tu m'as manqué Cam, c'est quand qu'on se revoit? Jamais, jamais, fous-moi la paix. Sinon, comment vous allez le chat? Sa copine en fait lui a posé un ultimatum, c'est moi ou un paquet de Kinder Bueno, il a choisi le paquet de Kinder. Voilà. Non, j'aime pas les Kinder, enfin, j'aime bien les Kinder, mais ouais, non. C'est mieux les Oreo. Bon, bref, alors... Voyons voir le chat un peu, parce qu'en vrai, j'ai pas trop lu. Message retiré, coucou. Ah oh, ben pourquoi? Mais non, faut laisser les messages. Bah écoute, au point fort, on était quand même une petite trentaine cet après-midi pour le déploiement du télescope, enfin du miroir. C'est plutôt pas mal, hein, Icam. Bah oui, bah en soi, oui. Je vous rappelle encore une fois... En vrai, la synthèse, elle est incroyable, hein. Ouais. N'oubliez pas, demain 16h, tiens, vu que vous êtes tous amoureux d'Icam, vous le retrouverez également dans le chat pour la première de la vidéo. Je vous balancerai le lien dans le Discord. C'est ça que j'ai oublié de faire, c'est la programmation. Ah, finesse. Faut que je le fasse, à chaque fois j'oublie, je dis que je vais le faire, je le fais pas. La programmation. Après le live. Pour la fin du mois, là. Les vaches, je crois. C'est-à-dire, attends, là tu me perturbes. Qu'est-ce qui se passe en fin du mois, on en fait un sur ta chaîne et ouais, oui. Voilà, c'est oui, ça. C'est oula. Pareil, vous retrouverez le VA 52. Par contre, c'est côté russe, hein. C'est pour ça qu'on retourne à 52. Donc la deuxième EVA, donc ça sera le 27 janvier, si je me trompe pas, Icam. Wow, alors là, ouais, je crois que c'est ça. Tu me l'avais dit, mais oui, je crois donc, que c'est ça sur le site. Le 27 janvier, ça se passera sur la chaîne d'Icam. Le 19, ça sera sur la mienne. EVA 51 et EVA 52 sur la sienne. Ça va faire pas mal de choses, ça va être cool. Hop, tiens, je vais cacher les messages de Tiffen comme ça. Oui, tu as raison, c'est pas utile. Voilà. Non, mais voilà, on va rester encore quelques minutes et puis on va profiter de la fin de journée en ce qui concerne notre petit samedi. C'était sympa en tout cas. Ah, et quand même, je crois qu'on va rester une demi-heure de plus. Hein. De toute façon, on n'aura pas d'autres images de télémétrie. On va rester sur des interviews de la NASA. Vous pouvez suivre, si vous voulez continuer le direct à suivre James Webb, vous pouvez vous rendre sur le YouTube de la NASA. Vous retrouverez exactement les mêmes images. Marco, ouais. T'es pas gentil, mais je suis pas connu pour être gentil. Hein. Bah, c'est il a raison. Bon week-end à tous et à bientôt. Merci à toute l'équipe. Merci Mac d'avoir été présent et de nous avoir communiqué les infos de la NASA. Et puis Marie, dès que t'as ton t-shirt, j'espère que tu nous enverras une petite photo de la réception. Et puis voilà. Puis nous, on va essayer de se procurer les petits pins, hein, Icam. Bah, mais enfin, là, je le veux. C'est pas possible. Il est trop stylé. Je pense qu'on va faire des grosses commandes. Bon week-end à demain. Ça va piquer. Merci Marie. Donc je vous balancerai le lien dans le Discord pour ceux qui seront dans le Discord. Et de toute façon, ça sera en programmation sur la chaîne. Donc demain, 16h, pour le vlog en partenariat avec le CNES, la société Innovaxium, l'UTT de Troyes et également le... Comment ça s'appelle ?
le ministère de l'éducation nationale. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà. Maïkam, je vais te laisser le mot de la fin, je pense qu'on va arrêter là. C'était un très bon moment qu'on a passé encore avec vous. N'oubliez pas, voilà, la télémétrie qui est juste à côté de moi, vous pouvez la retrouver sur les différents liens que j'ai lancés sur le direct, ou sur Google, vous tapez itinéraire James Wegg, blog NASA, vous le trouverez facilement. Ouais. Maïkam, je te laisse le mot de la fin. Bah écoutez, merci d'avoir été présent comme d'habitude. Bah on se retrouve... c'est quand même la prochaine date ? Bah actuellement, alors on aura... Alors je vais te dire ça, mais normalement on devrait avoir quelque chose... Tiens, je vais vérifier en direct. On devrait avoir quelque chose... Alors pour l'instant j'ai juste mon EVA à moi qui est programmé le 19, qui est déjà programmé sur la chaîne. Bah il y aura déjà le 19, je serai... Bon, peut-être pas tout le truc là, mais je serai quand même là un petit moment. Le 12 janvier, on a normalement le lancement du Launcher One de Virgin Orbit, donc la fusée lancée par un avion. Mais de ce que je sais moi, il n'y a pas de diffusion, donc je le ferai pas. Mm-hmm. Le 13 janvier, par contre, c'est pas encore programmé sur la chaîne. Voilà, on se retrouve le 13. On a le lancement d'une Falcon 9, donc Transporter 3, donc un covoiturage. Oui. Donc c'est en fait, les transporteurs, c'est tout simplement... Voilà, je vous lis la description, la mission Transporter 3 est un vol dédié au covoiturage vers une orbite, donc covoiturage de satellites, hein, beaucoup de satellites privés, sur une orbite avec des dizaines de petits microsatellites, donc des CubeSats et des nanosatellites pour des clients commerciaux et gouvernementaux. Et puis voilà, donc on se retrouve le 13 janvier, je programmerai le direct. Voilà, ICAM, SpaceX le 13. Ah, SpaceX. SpaceX, là, il nous faut du SpaceX, il faut la dose, là. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de SpaceX. Non, mais ça va être cool, ça, SpaceX, en vrai. C'est du Mlangui. Mlangui qui en est. Depuis le temps. Mais du coup, voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, bonne journée à tous. Bonne fin d'après-midi à tous. Portez-vous bien. Et puis, bah, Ikam, à toi le mot de la fin. Bonne fin de journée. Portez-vous bien, pareil que Marco. Et puis à la prochaine. Voilà. Alors. Et n'oubliez pas, on se retrouve demain 16h pour la petite vidéo. Bonne journée à tous. Salut, salut. Sometimes we see teams, you know, in our private lives or even, you know, elsewhere where all of a sudden, you know, people take excuses to not fulfill goals. This team found every excuse to do so. You go back in time and you realize, you know, how hard it is to be truly a single team. And Michelle, it's not just the engineers, it's the good people on Capitol Hill who are allocating the budgets. The people in the White House, you know, all the stakeholders there. And I think what Greg Robinson, and for me, it's just really important to say that name, what he managed to do and kind of overcame is really building a team from the top all the way to the technician, the single team. And of course, that's why it's going so well, right? Because of, you know, unified teams, you know, are a beautiful thing to watch. This is the definitely not ops with the status. We're a couple minutes into our move to the safe position on the three-door latch. Everything looks really good. Strains are low and the strain offset are low. So we're looking good. I'm happy that not. So the associate. Jamais trop prudent, donc au moment du lancement, il y a personne. Ah bah faut mieux pas qu'il y ait quelqu'un sur le pas de tir au moment du lancement, il va vite être décoiffé. Hein. Le lancement, le fusée, voilà, le vaisseau et les trois astronautes, et puis finalement avec la télécommande. La télécommande. Lance. Voilà. Eh, c'est pas une voiture téléguidée, hein, c'est une fusée. Hein.
Nous sommes go pour la mise à feu. H-1. 15, 14, 13.